Batman Arkham Knight sur PS4 pour la troisième partie. Alors là, on vient de recevoir un message de Barbara Gordon qui disait que les tanks attaquaient Panessa Studio et qui sont là. Coucou tout le monde. En effet, ils sont nombreux. Tu permets que tu te dégages. Oh, c'est toi. Ah, voilà, on est. Oh, puis c'est toi. Hop. Voilà. Bon. Jim, vos hommes peuvent reprendre leur patrouille. Les tanks sont neutralisés. Tant mieux. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Ça m'étonnerait. Je vais avoir besoin de la chambre d'isolement du GCPD. J'amène Ivy. Donc là, dans l'épisode précédent... Ouf. Voilà. On venait de libérer Poison Ivy des mains de l'épouvantail. On a découvert les nouveautés, là, de la nouveauté de la Batmobile. Emmenez-la au niveau inférieur de la prison. Et voilà, et l'intérieur du GCPD. L'analyse de la toxine de terreur donne quelque chose? Ça va prendre encore un peu de temps. Passez me voir à la tour de l'horloge quand vous pourrez. Je vous montrerai où j'en suis. Qui t'a appris à conduire? L'épouvantail va te briser, Batman! Franchement, pourquoi est-ce que tu te démènes pour ces humains? Des troubles civils? C'est la guerre dans les rues! On n'a ni les hommes ni l'équipement qu'il nous faudrait! Tenez, regardez qui est là. Ivy, ça nous fait toujours un souci en moins. La cellule d'isolement est prête. Ravi que vous en fassiez bon usage. Oh, super, une autre cellule. Bien, donc voilà le GCPD. Vous vous demandez peut-être à quoi sert cette cellule. Cette cellule va servir à emprisonner tous les grands méchants. Donc, non, c'est pas ça. À votre demande, j'ai créé une série de simulations de diagnostic pour tester les différentes fonctions de la tenue et de la Batmobile. Il suffit de sélectionner le programme approprié et le Bat-ordinateur fournira un marqueur de navigation. Là. J'ai des hommes qui crèvent là-dedans. Donc là, on va faire un petit tour. Là, ça sera la salle où il y aura... Ah, c'est vrai. Le petit... Je sais pas si on peut le faire. Trophée d'énigme. Voilà. Salut, détective. Je vois que tu as commencé à mettre ton piètre cerveau à l'œuvre sur mes énigmes. J'ai eu tout le temps de les mettre au point. Après que tu m'as laissé battu et humilié à Arkham City. Je suis l'homme mystère, Batman. On ne m'en pense pas. Alors, résume mes énigmes.
Bien, on va pas écouter tous ces blabla, hein. On sait tous qui c'est. Donc voilà, tous les trophées de Arkham City. Scarface. Un pantin. Mr. Freeze. Un pistolet givrant utilisé par Mr. Freeze, alias Victor Freeze. On a dû arrêter de jouer avec ce truc quand le commissaire nous a surpris à faire de la crème glacée. C'est on n'a pas entendu parler de Freeze depuis qu'il a quitté Arkham City. Des morceaux de corps ayant appartenu à Warren White. Aussi connu sous le nom, le grand requin blanc. White s'est fait interner à Arkham en plein dans la folie. Pendant son séjour, ce n'est pas l'esprit qu'il a perdu. Ceci dit, son nouveau look lui va bien. Donc, si vous avez joué à Arkham City, vous reconnaissez forcément tous ces trophées. Donc, Jarvis. Le... Pourquoi c'est en anglais? Wow, ça doit être normal. Le chapelier fou. Bon, voilà. Hein. Gadget du Joker. Bane. Il y a une cinématique, enfin un petit truc quoi, petite cinématique ici même. Un collier électrique de l'asile d'Arkham. Il était porté par Killer Croc, Wellan Jones. On l'a retrouvé dans les égouts au-dessous d'Arkham City. Et c'est mauvais signe, parce que ce truc nous permettait de le garder sous contrôle. Là, c'est les gantelets de l'électrocuteur dans Origins. Ah, petit gadget. Une arme à charge électrique utilisée par Batman, alias, on préfère pas savoir. Batman l'a laissé là avec le reste des éléments à charge d'Arkham City. Sympa d'avoir du matériel de Batman dans la salle d'épreuve. J'espère qu'il voudra pas la reprendre. Eh bien. Plus tard, on en aura besoin. Donc, faudra venir ici, casser. Et ben voilà. Bon bah comme ça, ça s'en fait. Hein. Un petit gadget de plus. Trop jeune anarchie. Machine Loney. C'est un gamin quoi. Un gamin qui fait terreur. Une mitrailleuse ayant appartenu à Peyton Riley, alias le ventriloque. À moins que ce soit la marionnette qui l'utilisait. J'ai jamais vraiment compris qui contrôlait qui. La petite cinématique est vraiment toute petite, hein. Talia. Désolé. Et double feu. Ah oui. Bon, voilà. Donc, la petite charge est là. Je peux pas l'utiliser. Je peux rien utiliser ici. On va continuer la petite histoire. Monsieur, ça ne me concerne pas. Allez au diable! Foutu bureaucrate! On est seul dans cette histoire. On s'en sortira. Quelles sont les nouvelles? On a des incidents qui surviennent dans toute la ville. Cash, faites-nous un compte-rendu. Bon, voyons voir. Tout d'abord, on a perdu le contact avec l'équipe de pompiers de la station 17. On a leurs dernières coordonnées connues, mais ils ne tiendront pas bien longtemps livrés à eux-mêmes là-bas. Ensuite, quelque chose d'étrange. Un corps a été découvert. On n'a pas pu l'examiner en détail avant l'évacuation. Mais les légistes ont été troublés. C'est pas beau à voir. Ça, c'est ce que je vous avais dit. Par ailleurs, l'homme mystère a été aperçu plusieurs fois en train de rôder vers le dépôt ferroviaire. Le connaissant, il doit préparer un mauvais coup. Je sais que vous êtes occupé, mais le peu d'aide que vous pourrez apporter sauvera des vies. Ne vous inquiétez pas, Jim. J'ai quelqu'un qui enquête sur l'épouvantail. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. Il meurt fait quand même. Donc voilà ce que je voulais faire. Et c'est...
la mission secondaire. Ça, c'était dans la première vidéo, si je me souviens bien. Et ça, faut récolter 243 trophées. Ce qui est assez énorme. Puis ça, mission principale. Vous m'enverrez par commentaire si dans la prochaine vidéo je fais soit ça jusqu'à que ça débloque d'autres îles. Voilà. Je m'occuperai de ça plus tard. L'épouvantail est la priorité. Hop. Ouais, pauvre gars. Il va plus pouvoir se regarder dans la glace après ce qui s'est passé dans ce restaurant. Il va perdre sa plaque, c'est sûr. Owen, c'est un bon flic. Son boulot, c'est sa vie. Il mérite pas ça. Ça, c'était le policier qui était dans le restaurant. Hé, hey, Batman! L'épouvantail t'a filé entre les doigts? Ça. Tu m'as cassé le poignet pour rien. Il avait projet pour toi, Batman. On peut le faire qu'une seule fois. Amis. Ah. Enfin un peu de silence. Bien. Donc là. Ok. Ce truc est passé au niveau supérieur. D'après le soutien aérien, il s'est changé en tank. Cool. N'approchez pas trop. Bonsoir, monsieur Wayne. J'ose espérer que la voiture répond à toutes vos attentes. En fait, Lucius, je trouve qu'elle se traîne un peu. Je m'attendais à ce type de commentaire de votre part. Laissez-moi un petit moment pour activer la fonction de post-combustion. Merci, Lucius, voilà. C'est très noble à vous. Vous voulez me remercier, monsieur Wayne? Essayez de ne pas faire de sortie de route. J'aurai bientôt de nouvelles améliorations. Ah, mince. Ah. Alors. Oh là. Il y a du mal, hein. Bien. Et après, on va se quitter. Donc après ça, on se quittera. Identité confirmée. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a ça. Ça révèle quelque chose. Bien. Bonne cinématique et puis après on se quitte. Dans vos affaires. Vous avez réussi à réduire le composé à ses éléments de base. Mais il ne contient rien qu'on puisse traquer. Peut-être qu'on prend les choses dans le mauvais sens. Si au lieu de chercher la toxine, on se tournait vers son processus de fabrication. J'aurais dû y penser. La réaction génère un pic de radiation unique. Scannez la ville et trouvez cette empreinte énergétique. Excusez-moi. Comme ça, on saura où l'épouvantail fabrique sa toxine. Ça va prendre quelques heures pour aligner les satellites. On n'a pas le temps. Je vais rediriger l'antenne des studios de cinéma. Bruce, j'ai eu mon père. Je déteste lui mentir. Il me tuerait s'il savait que je suis encore en ville. Il s'en veut encore pour ça. On arrêtera l'épouvantail. Bien. Donc, pour savoir ce qui s'est passé avec Barbara Gordon, on le verra plus tard, vraiment plus tard. Donc, on va se quitter là. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous. Et le petit commentaire. Jim, on a un moyen de localiser l'endroit où travaille Crane. Dieu merci. Qu'est-ce que je peux faire? Préparez vos hommes. Je vous ferai signe dès qu'on en saura plus. Parfait. Ciao tout le monde. À prochaine vidéo.